Qu'est-ce que j'ai pensé de l'event avec le Oni? Bah en vrai, déjà mieux. Mieux que le... Attends. Mieux que le premier événement qu'on avait eu entre les Patounes. Vraiment tous les jours mieux, genre. Game mon gars. Alors là mon pote, là ça déconne zéro. Oh la violence mon gars. Évidemment pas de tunnel, on n'a pas que ça à faire. Let's go. Le pauvre. Nice. Professionnel du vomi, eh oui mon pote. D'ailleurs vous avez une emote proxy plague hein, évidemment dans le chat messieurs dames qui est là pour ça. N'hésitez pas à vomir vous aussi, dans ma compagnie. Évidemment. C'est Anixiel, comment ça va? Quelqu'un dans la cabane là-bas. Terrible. Jill la pauvre, c'est terrible. Alors pourquoi on voit les auras de tout le monde, le chat? J'ai déjà présenté ce build sur YouTube, mais ça fait longtemps que je l'ai pas joué. En fait, tout se base sur la lecture d'aura. Absolument tout. Si ce n'est ma compétence intervention, compétence du bas, et mon add-on vert. Voilà. Tout. Sinon, absolument tout le reste, c'est de la lecture d'aura. Tout le reste. Donc on a poursuivant meurtrier, compétence du Nemesis qui permet de voir les auras des survivants en début de partie. Mais aussi de rallonger de 2 secondes les lectures d'aura d'absolument tout. On n'a nulle part où se cacher, mais ça vous connaissez, compétence du chevalier. Qui permet lorsqu'on tape un gène de voir l'aura des survivants. On a éruption, on tape un gène. On le marque, et si on down un survivant, le gène ou les générateurs marqués explosent et ils révèlent les survivants. Et on a l'encens noir, donc la donne irisée de l'épidémie, qui permet en fait, lorsqu'un survivant vomit, de voir son aura. Ah, je suis navré, Jill. Waouh! Non, mais attends, c'est une folie. Le décalage du serveur m'a compté le fait que je viens de faire tomber Jill pour mon défi. Intéressant ça. C'est original. Du coup ça m'a compté. Du coup le fait de tomber Jill, ça me compte pour deux. Madame. Elle a confié, oui. On a Kate là-bas. Kate qui a distorsion. Mais vu que mon build révèle non-stop, elle est dans la merde quoi. Oh
Oh là là, c'est l'apocalypse. Non, vas-y, on va pas slug, on s'en fout. Vas-y, Osef. Non, 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 il reste 3 gènes, on va se détendre un peu le fiac. Et le Kayagi. Donc vous voyez, l'encens noir, pour moi, qui est un des adans les plus forts du jeu. Hein. Me révèle non-stop les survivants, quoi. C'est formidable. C'est formidable. Donc là, on voit où ils sont, la vie, oui. Je crois qu'elle fait un glyphe ou un totem, je sais pas ce qu'elle fait. Elle ouvre un coffre, quoi. Bon alors après il faut savoir que ce build peut très facilement se faire bolos parce qu'en fait il suffit de faire des générateurs quoi. Ma seule protection de gêne c'est éruption et c'est pas des plus efficaces en fait. Hein. Donc si tu gêne rush, si tu restes collé le cul sur les gènes, bah, ça va avoir tendance à vraiment être efficace quoi. La Kate qui croit se cacher, oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. Et le défi en une game. Easy, mon pote. Easy. Easy, mon gars. Ouais, c'est un build d'une efficacité. Celui-là, quand il fonctionne, c'est assez dingue. Hein. Parce que encore une fois, Kate elle a distorsion, c'est-à-dire que Kate sur le principe tu te dis qu'elle a le build parfait pour. Ou la perk parfaite pour essayer de me contrer. Mais elle peut pas quoi. What the fuck? On l'a trouvé grâce au corbeau, messieurs dames, je sais pas si vous avez fait attention. Il y a un corbeau qui s'était envolé sur sa position. Et un autre corbeau qui se reposait, donc ça veut dire qu'il était là quoi. Bon tu sais quoi, regarde, regarde, regarde Léon. Je suis un rey. Allez, va-t'en. Allez, j'ai fait ma bonne action comme ça. Voilà, j'ai fait ma bonne action du jour. Impeccable. Ouais, ils avaient Rési en plus, donc ils pouvaient bien me faire mes petits générateurs. La disto de Kate. Et Kate, tu veux faire quoi en fait? Le début de game a été tellement violent, t'es constamment essayé de rattraper la partie en fait. T'es même plus en train d'essayer de faire quoi que ce soit. Et ben GG. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à checker mes autres vidéos.